Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune. Alors j'espère que vous allez bien personnellement à ces derniers jours-là parce que je fais le tirage le jour J de la pleine lune et la pleine lune elle commence souvent deux jours avant la date et donc deux jours après aussi. Donc en général la pleine lune dure 4 à 5 jours et personnellement j'ai pris cher. Personnellement, j'ai pris, euh, pris cher dans la tronche par rapport aux énergies de la pleine lune. Et si vous êtes aussi vous sensible à la pleine lune, c'est-à-dire sensible aussi aux énergies de manière générale de la lune, ce tirage va peut-être vous aider à y voir plus clair. Alors ces tirages là comme je fais, c'est quand même quelque chose un message que j'ai à donner en espérant qu'il vous parle, en espérant qu'il vous aide à comprendre un petit peu mieux. S'il ne vous parle pas, c'est pas grave, passez votre chemin, regardez d'autres vidéos, c'est que le message était tout simplement pas pour vous. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, je vais commencer la direct, j'ai déjà toutes les cartes devant moi, j'ai pris le temps un petit peu de me poser, de voir les cartes et surtout de voir qu'est-ce qu'elles ont à me dire avant de vous parler devant la caméra. Alors déjà, une carte que j'ai pris, on a le chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe est lié à la suite de coupe est lié aux émotions. Donc ce que je vois là principalement pour la pleine lune et la lune qui en astrologie règne le signe du cancer, qui est un signe aussi d'eau, c'est que là on se retrouve vraiment dans une énergie émotionnelle. On va nous demander de nous connecter beaucoup plus à nos émotions, de nous connecter à ce qu'on a en nous, et quelque part c'est quelque chose qui nous bouleverse, qui nous travaille depuis quand même un petit moment. On va, là vu que j'ai vu un petit peu toutes les cartes, vous allez voir la suite, c'est... On va travailler sur des blessures de l'âme, on va travailler sur des blessures de notre cœur, on va travailler sur, comme là, ce chevalier, un petit peu la l'armure la, qu'on a qui nous protège et qui nous empêche quelque part de souffrir à nouveau et de revivre ce qu'on a déjà vécu auparavant. Et chose qui m'a interpellé là avec. La carte, enfin, cette, ce chevalier de coupe et le cheval qu'il y a derrière, c'est que ces émotions sont liées par rapport à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose, souvent, on souffre parce que c'est une situation qu'on a vécue dans nos relations bien souvent. Donc là, on va vous faire travailler sur vos relations avec autrui et comment ça vous a influencé émotionnellement. Et là, avec, on a deux cartes, donc les cartes de coupe qui donnent un tempo général sur la pleine lune. On a donc le roi d'épée avec le 3 de coupe. Alors si je me trompe pas, la pleine lune est en gémeaux. Le gémeaux est un signe d'air, un signe de communication, tout comme les épées le sont et le gémeaux est connu en fait pour être capable de jongler différents sujets, différents thèmes et être capable de prendre du recul de la perspective de quelque part, beaucoup de personnes qui sont limitées en astrologie ils vont dire que le gémeaux est double face et donc c'est pas un bon signe, c'est ce qu'ils vont dire. Mais le gémeaux, il faut pas oublier qu'il est capable de voir les choses sous plusieurs angles différents et c'est en fait ce qu'on va vous demander pendant la pleine lune, on va vous demander avec ce roi d'épée le roi d'épée, vu que c'est le roi, c'est celui qui a maîtrisé les épées, c'est celui qui a maîtrisé son mental. On va vous demander de prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que vous pensez. Parce que c'est quelque part un cercle qui peut être vertueux ou vicieux mais quand vous pensez à quelque chose de négatif par exemple vous avez une émotion négative qui va ressortir mais ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens quand vous pensez à enfin, quand vous ressentez une émotion négative par rapport à quelque chose qui est en train de se passer autour de vous en ce moment ça va entraîner des pensées négatives par exemple si vous vous retrouvez dans le trafic et que ça bouchonne et que vous êtes en retard, une émotion négative va vous remplir, et donc du coup vous allez avoir des pensées comme ça fait chier, je suis dans ce trafic, je devrais faire autre chose, et puis c'est toujours pareil, et le mental commence à mouliner, mouliner, donc ce qu'on va vous demander, c'est de prendre du recul avec vos pensées, avec vos émotions. Voilà, c'est-à-dire que comme ce chevalier de coupe qui est dans ses émotions, de prendre du recul un petit peu, de ne pas se laisser submerger par ses émotions, de voir avec une perspective. Donc là, on va le, on va le voir plus tard, mais le conseil, c'est de méditer, de se poser, de s'ancrer, parce qu'à chaque fois, comme je dis tout le temps, c'est que la vie, c'est un petit peu comme ça. Et si on est une brindille... Si on n'est pas vraiment ancré, mais bon, on va aller avec le vent. Si on est bien ancré, on va bouger un petit peu mais on va rester au même endroit. Donc il est important là de méditer parce que ça va vous, aider, vous éditer vous déditer n'importe quoi. Ça va vous aider à prendre un petit peu du recul. Ça c'est très important parce que c'est tout ce que je vais dire après, ça va dépendre de ça. Autre carte, 3 de coupe. Alors le 3 de coupe ce que je ressens, c'est encore une fois les coupes. Donc, ça va nous demander de prendre du bon temps. C'est une énergie similaire à la carte de l'étoile. On va nous demander de passer du temps un petit peu avec les autres, de ne pas trop se renfermer, de jouer, de s'amuser, de prendre du plaisir, de pas prendre la vie trop sérieusement. Voilà ce que la pleine lune va demander. Parce qu'aussi, le signe du gémeau, le signe du gémeau, c'est un signe qui reste souvent un éternel adolescent parce qu'il est constamment submergé par de nouvelles idées et il a toujours envie d'en savoir plus il a toujours envie il est très curieux donc comme un adolescent il a toujours envie de passer à quelque chose de nouveau il, a, il reste pas il n'est pas comme d'autres signes du zodiaque où ils sont plus sérieux donc on va vous demander d'être un petit peu dans cette énergie à, je sais pas à, prenez du plaisir prenez du plaisir à je sais pas chanter, à faire peut-être du théâtre ou à faire de l'humour, à euh, imiter quelqu'un. On va vous demander de faire ça et de prendre du plaisir. Voilà ce que je vois pour cette pleine lune parce que le but de cette pleine lune là, j'ai aussi différentes positions pour vous. On a le 4 de denier. Donc le 4 de denier nous parle de nos finances. Alors, les Denier, comme j'ai dit, c'est les finances, c'est le travail, et c'est aussi ce qui est sérieux, ce qui est stable. Et dans le cas de denier, on est dans le fait de garder pour soi. On a peur, on manque. Le cas de denier, c'est une personne qui, parce qu'elle a peur de manquer, parce qu'elle a peur de ne pas avoir assez dans sa vie, elle va s'empêcher de vivre, elle va s'empêcher de dépenser de l'argent. Et ce n'est pas forcément que l'argent, c'est son énergie, elle va s'empêcher... De tout simplement prendre du plaisir à la vie. Elle prend les choses sérieusement parce qu'elle se dit que si elle prend du plaisir, alors quelque part quelque chose de terrible va lui arriver. Elle doit rester sérieuse. Donc, le but de cette pleine lune, c'est de vous tourner vers l'intérieur parce qu'avec le cas de Denis, c'est aussi vers notre cheminement intérieur. Mais c'est aussi de ne pas trop rester renfermé, de vous ouvrir aux autres, de vous amuser avec les autres. Voilà, c'est ça que je vois. Parce que pour certains, vous allez me dire, ben bah oui, je ressens que j'ai besoin de prendre un break des relations. J'ai besoin de prendre euh, un time-out quelque part de certaines relations parce que ça m'exténue. Et ça, je l'entends très bien. Et donc, c'est quelque chose qu'on vous invite à faire. Mais on vous invite pas non plus à rester dans votre coin comme un ermite. Et là, il n'y a pas la carte de l'ermite. Donc, on vous invite... Là, j'ai l'impression que c'est une invitation, c'est dire Ok, tu peux toi te concentrer sur ces, sur ces objectifs-là et parce que tu as peur de manquer, tu as envie d'aller plus loin dans ta vie, mais prends aussi quand même le temps de t'amuser. Prends pas la vie trop sérieusement. Voilà le message de cette pleine lune. Et là, ce qu'on a au niveau des blocages, on a le 7 de denier avec le 9 de coupe, euh, 9 de coupe, 9 de bâton, pardon. Donc le 7 de denier, ce que je vois ici, c'est que vous allez vous dire, le 7 de denier, il est dans une position où il a fait certains efforts, que ce soit des efforts mentaux ou des efforts réels, donc dans le monde réel, peut-être que vous avez, si vous cherchez un travail, bah vous avez déposé des CV, que vous êtes allé voir différentes personnes. Si vous êtes à votre compte, peut-être que vous avez cherché des perspectives pour aller plus loin. Et si vous avez peut-être un travail en tant que salarié, vous avez fait des choses pour évoluer ou peut-être quitter votre travail, avoir quelque chose de nouveau. Et vous dites, ben ouais, j'ai fait toutes ces choses et j'ai l'impression que ça ne m'amène pas forcément quelque part. Je suis pas sûr de où c'est que je vais. Et c'est ça en fait qui va vous faire peur. Vous allez vous dire ben, je sais pas je sais pas où c'est que je vais je me sens instable et je sens que euh, il faut que je contrôle il faut que je manipule il faut que je sois en train de voilà d'être en fait avec qu'il faut je peux pas faire confiance à l'univers quelque part parce que je me dis que si je lâche et bien quelque chose d'horrible va arriver voilà ce que je ressens avec cette pleine lune mais de mon côté on vous invite encore une fois à voir que c'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il n'y a rien qui se passe un petit peu comme quand vous plantez un agriculteur plante des graines dans un sol fertile ça prend des fois plusieurs semaines plusieurs mois avant que quelque chose se passe et ce qu'il faut faire avec ce set de deniers ici c'est pas parce que vous ne voyez pas encore le fruit sortir que vous ne voyez pas la manifestation de vos, euh, ça, de vos efforts ah, vous, euh, ça, j'arrive plus à trouver mes mots. Si vous ne voyez pas la manifestation de vos efforts arriver, en quelque part, sortir de la Terre et de les voir là, vraiment, dans votre réalité externe, ben, ce n'est pas que ce n'est pas en train de se passer. C'est peut-être que vous avez besoin d'être plus patient. Donc, ça, la patience, c'est quelque chose qui va vous faire défaut, qui fait défaut en fait, là pendant la pleine lune, parce qu'on a envie que les choses arrivent, on a envie d'être certain, on a envie de se dire, ok, je sais où je vais, voilà, j'ai des résultats, et là, cette pleine lune, elle est un petit peu incertaine. Et avec ce 9 de bâton, ce 9 de bâton, c'est un petit peu la carte de la parano, pour moi, c'est la carte de la parano, c'est on est un petit peu dans notre feu, on a tendance à être sur, les, sur le qui-vive, on a tendance à se vexer pour. Les choses très rapidement, on a tendance à prendre les choses très personnellement, on, parce que quelque part on a souffert et on se dit que on, là on est un petit peu sur les nerfs. Donc certains d'entre vous, je ressens que vous êtes sur les nerfs parce que vous savez pas où vous allez. Et donc du coup, on va vous dire qu'il faut petit à petit. Là avec le 10 de denier, euh, 10 de bâton pardon et le 6 de bâton, on va déjà en premier lieu vous demander vous voyez cette femme, elle a plein de bâtons, elle a plein de responsabilités. On va on vous dit que si vous diminuez le, la quantité de responsabilités que vous prenez sur votre dos, que vous prenez pour vous, alors vous trouverez le succès avec le 6 de bâton. Là on va vous demander de réduire la charge de travail, on va vous demander de souffler un petit peu, de vous reposer, de prendre du plaisir et d'arrêter vraiment de prendre la vie trop sérieusement. On va vous demander de jouer, on va vous demander de jouer en même temps, comme j'ai dit, de prendre du recul, mais surtout de jouer. Voilà ce que j'entends. Je, de jouer, de prendre du plaisir, parce que quand vous vous amusez, vous vous donnez la permission de vous libérer de certaines euh, énergies négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je vois. Et pour certains, avec, ces, ces, quelque part ce qui est, ce qui serait bon pour vous, avec ce 10 de bâton, c'est que vous prenez trop de choses sur vous. Vous en avez plein sur les épaules. Peut-être que vous avez les épaules lourdes et que vous sentez que, que c'est tendu là, au niveau des épaules, et c'est normal. Parce que quand vous avez ça, c'est que le stress vous a gagné et que vous avez oublié de vous détendre quand vos épaules sont comme ça donc détendez-vous il va rien se passer c'est pas parce que vous voyez que rien ne se passe qu'il n'y a rien qui se passe ça c'est très important il faut garder la foi alors ce que on vous conseille ce que là-haut ce que les guides etc. on me transmet ce qu'on vous conseille on a le numéro 5, donc on a le 5 de coupe avec le pape qui est la cinquième arcane majeure. Alors, ce qui est, ce qui est important ici, c'est que le pape, c'est la seule arcane majeure de ce tirage. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. Donc, sur les 12 cartes, c'est quand même quelque chose de, qui m'arrive assez peu. Sur 12 cartes, il y a une seule arcane majeure. Donc là, c'est pas. Tant que ça, pour vous, oui, on va vous demander d'avoir la foi avec le pape, mais on va vous demander surtout de voir les choses de manière quotidienne, parce que les arcanes mineurs nous parlent plutôt de notre quotidien, nous parlent des petites choses de la vie courante, et pas vraiment des étapes majeures. Même si, il peut, vous, si vous êtes en train de ressentir que quelque chose de majeur est en train de se passer, on va vous demander plus d'examiner. Le quotidien, votre quotidien. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien qui vous donne beaucoup plus de stress Qu'est-ce que vous prenez dans votre quotidien comme responsabilité supplémentaire alors que vous n'êtes pas obligé, qui vous apporte plus de stress Peut-être que vous vous sentez obligé de faire certaines choses parce que vous vous dites que vous devez absolument contrôler pour avoir assez d'argent, pour avoir la relation qu'il vous faut, pour avoir la maison qu'il vous faut, ou tout simplement avoir la vie qu'il vous faut, ou avoir quelque part le niveau spirituel que vous cherchez à avoir, ça peut être atteindre vos objectifs. Donc voyez qu'est-ce qu que vous vous mettez en plus qui vous apporte plus de stress que de repos. Et regardez si c'est absolument nécessaire. Regardez si c'est vraiment ce que votre cœur vous demande de suivre et si c'est pas votre ego qui a peur et qui agit dans la peur et qui se dit Ok, je vais faire ça, je décide d'avoir cette routine, je décide d'avoir cette discipline, je décide de prendre cette responsabilité, parce que j'ai peur que si je ne le fais pas, alors on va m'abandonner, alors l'univers va me laisser de côté et quelque chose d'horrible va arriver. Donc là, c'est vraiment le quotidien. Et avec le 5 de coupe, on va vraiment... C'est le numéro 5 à le numéro du pape, c'est de vous centrer, de méditer, d'avoir la foi, de vous sentir accompagné et surtout de parler aux autres personnes, de vous ouvrir aux autres personnes. Comme j'ai vu avec le 3 de coupe et le 4 de denier, on va encore une fois, je répète le même message, mais c'est fait exprès pour que, ça, que ce message arrive jusqu'à vos oreilles parce que souvent on a besoin de lire plusieurs fois la même chose ou d'entendre la, la même chose plusieurs fois. Pour être capable de la comprendre véritablement. Donc là, c'est de vous ouvrir aux autres, de parler aux autres, de ne pas garder les choses pour vous. C'est ça, c'est le pape. Si vous ressentez que vous avez besoin de voir un thérapeute, que vous avez besoin de parler de certains problèmes à votre partenaire, à vos amis avec le 3 de coupe parce que le 3 de coupe ça parle aussi de vos amis si vous ressentez le besoin de parler de discuter tout comme les épées le son et le gémeaux est un signe de communication alors faites-le c'est très important pour vous et avec le 5 de coupe le cadeau c'est que vous allez être capable un petit peu de travailler sur votre passé vous allez être capable de laisser des émotions qui, qui ont été déclenchés auparavant qui n'ont pas été traités en vous et d'être capable de les faire ressortir d'avoir de la douleur de la peine qui ressort mais vous rappelez que c'est normal qu'elle sort parce que elle a besoin de sortir elle a besoin de s'exprimer souvent on est capable d'exprimer la joie et pour certains c'est même difficile d'exprimer la joie mais bien souvent on est amené on est conditionné à penser que être heureux et montrer le bonheur ben, on a le droit de le vivre mais tout ce qui est la colère la tristesse et même l'anxiété on n'a pas le droit de l'avoir donc on la réprime on la garde en nous et ça quand on le garde en nous ça nous ça pourrit et ça nous ça fait en sorte que la vie qu'on vit et le reflet de ce qu'on a en nous et c'est pas terrible. Donc il faut ça aussi, il faut l'exprimer. Donc on va vous aider à exprimer des choses négatives que vous avez en vous et on vous rappelle que toutes ces choses arrivent pour une bonne raison et que si vous voulez faciliter le processus, alors centrez-vous, calmez-vous. Là je vois 10h10 devant moi. Euh, centrez-vous, méditez, prenez du recul parce que ça va. En fait, c'est pas tant les choses en vous qui vous font du mal, c'est comment vous vous y répondez, comment vous y réagissez qui vous font du mal. Ce n'est pas vraiment les embouteillages qui vous font du mal, c'est votre réaction mentale. Aux embouteillages qui fait ça, c'est pas tant la personne qui dit quelque chose qui vous blesse, c'est vraiment elle qui est responsable de votre douleur. C'est vous comment vous réagissez par rapport à ce que l'autre personne vous a dit. Donc ça c'est très important de voir que si vous méditez, vous allez prendre du recul et vous allez pas être autant investi. Vous êtes à la troisième personne, vous observez ce qui est en train de se passer. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et finalement on va finir avec ces deux cartes. C'est le cadeau. Donc le cadeau, on a le 3 d'épée avec le 3 de bâton. Donc on est dans le numéro 3, on est dans la carte de l'impératrice. L'impératrice nous parle de, euh, quelque part, de concrétisation, de créer quelque chose, de justement planter des graines et de voir qu'il y a quelque chose qui éclot, quelque chose qui arrive à la vie. Voilà. Et ici, ce que je vois avec ce 3 de bâton et ce 3 d'épée, c'est que c'est arrivé comme ça exactement. Et le 3 d'épée, souvent, c'est une carte vers l'avenir. Et là, on va vous demander plus de revenir, de regarder. Là, cet homme, il est en train de regarder vers son cœur. Donc là, pendant la pleine lune, on va vous amener à regarder, on va vous inviter à regarder à ce qu'il y a dans votre cœur. Quelle, sont, quelle est la souffrance que vous gardez dans votre cœur et comment vous pouvez la traiter, comment vous pouvez l'accueillir et comment vous pouvez la dépasser voilà ce que je vois parce que à terme de cette pleine lune vous allez ressentir vous allez ressentir que vous pouvez avancer dans votre vie vous pouvez voir plus loin vous pouvez euh, avoir de nouvelles opportunités dans votre vie parce que vous allez avoir traité des douleurs que vous avez des émotions difficiles pénibles que vous aviez en vous et maintenant qu'elles ne sont plus là eh ben, vous êtes libre par exemple, si vous avez peur de la prise de parole en public ou si vous avez peur d'être ridiculisé si vous commencez votre propre entreprise, peut-être qu'à la pleine lune, vous allez libérer ça et vous allez pouvoir peut-être commencer par vous-même votre entreprise ou commencer votre projet personnel et aussi professionnel pour avancer sur votre cheminement et vous sentir que vous pouvez vraiment le faire. Donc là, cette pleine lune, je ressens que c'est un travail intérieur que… Une fois que vous l'aurez fait, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Vous allez vous sentir que l'avenir est beaucoup plus certain et vous allez avoir plus de foi. Donc n'oubliez pas de prendre la perspective sur ce qui est en train de se passer et tout se passera bien. Voilà. Donc de mon côté, j'ai fini pour le tirage. Il y avait pas mal de choses à dire, très sincèrement. Mais ça m'a fait beaucoup de plaisir pour faire, de faire ce tirage pour vous, comme toujours. On est, au moment où je fais cette vidéo, on est quasiment 50 000. Euh, abonné sur cette chaîne. Donc je vous remercie vraiment. Merci, merci, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Vous me donnez de la force de faire toutes ces choses-là et ça remplit mon cœur de prendre toute mon énergie et de faire en sorte de vous amener ça devant vous pour vous aider, j'espère, à avoir une vie plus alignée sur vos désirs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle ou plusieurs vidéos comme mes guidances en début de chaque mois. En attendant, je vous souhaite bon rétablissement, bonne pleine lune, bonne souffrance, bonne joie, peu importe. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, plein de bisous et à plus tard.